Il faut une rafale devant de elle pour ouvrir cette serrure. Chut! Je ne devrais pas être là. Ça gèle ici. Vite, donne-moi tes lames. Pourquoi? J'ai dit que je t'aiderais et je vais tenir parole. Allez! Mes outils sont à Midgard. Je reviens tout de suite. Il ne vient pas de te les voler, tu es sûr? Et voilà. Maintenant, elles sont prêtes pour les vents d'Oel. Vise juste ce petit truc magique lumineux avec tes lames et lance! Maintenant, vise ce piège avant avec tes lames. C'est cette petite chaluse. Maintenant, tu peux capturer et libérer les vents de elle quand ça te chante. Bon, je mets les voiles. Ne me remercie pas. Il fait un froid de canard ici. On se gèle les roustons. Il m'arrive parfois de me demander ce qui se passe dans sa tête. Nous sommes partis depuis trop longtemps. Désolé, mais je suis encore sous le coup de ce que j'ai appris tout à l'heure. Zeus était ton père. Pas maintenant. On doit trouver un moyen de quitter Helheim. Je suis entièrement d'accord. Je vais me contenter de méditer en silence sur cette information.
Réussi. Retourne vite voir ton fiston. Ne perdons pas de temps, frère. Retournons vite à Midgard avec le cœur. À la hanche du fantôme de Sparte. Ne m'appelle pas comme ça. Détrompe-toi, frère. D'après ce que j'ai entendu, le Panthéon l'avait bien mérité. Mais je dois encore me faire à l'idée. Je sais que tu es les dieux, mais tu n'arrives pas à les éviter, on dirait. Je t'interdis d'en parler au garçon. Il ne doit pas savoir. Sauf mon respect, c'est une grave erreur. Il faut qu'il sache. Il ne pourra jamais s'épanouir s'il ne connaît pas la vérité. Écoute, je comprends. Tu es les dieux. Tous les dieux. Et cette haine s'applique même à toi. Mais elle est aussi dirigée contre ton fils, tu ne le vois pas? Et il le sent. Il ne peut pas lutter contre sa nature. Mais tu ne pourras pas non plus la comprendre tant que tu ne lui auras pas dit. Tout est lié. Tu ne lui diras rien. Très bien. Raccourci entre les royaumes. Je l'ai amélioré, à moins que je l'ai cassé. Je suis pas sûr. On en a besoin. Je sais, c'est pour ça que j'ai pris quelques rafales de ces vents de Hell et que je l'ai rendu bidirectionnel. Tu peux l'emprunter dans les deux sens maintenant, s'il n'est pas cassé. Dans ce cas, il peut nous mener chez Freya. Excellente idée, frère. Il y a peut-être quelques ajustements à faire, mais ça devrait marcher. Vas-y, frère. Eh bien, on peut dire que vous savez voyager, mes amis. Ce n'est pas encore ça, mais on s'en approche. Il nous a dit qu'il y avait des ajustements à faire. On doit faire vite.
Tu as réussi. Avec le dos de ta main. Il est toujours malade. Je peux stopper la fièvre. Mais pour qu'il guérisse... Il doit connaître sa vraie nature. Oui. Ce n'est pas aussi simple. Aide-moi à le relever. Est-ce que je t'ai déjà dit que j'ai un fils, moi aussi? Ça fait... une éternité que je ne l'ai pas revu. À sa naissance, les runes lui prédirent une mort absurde. Cet enfant dans mes bras paraissait... si petit... et si fragile. J'ai su dès lors que je ferais n'importe quoi pour le protéger. Quel qu'en serait le prix. Mais évidemment, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi. J'ai laissé mes besoins et mes peurs passer avant son bien-être. Et ce n'est que bien trop tard que j'ai compris sa rancœur. Ne commets pas la même erreur. Accorde-lui ta confiance. Je sais que la vérité te pèse. Mais rien n'est simple quand il s'agit de nos enfants. Il est maudit. Mon enfant est maudit. Ne pars pas sans moi. C'est promis. Je vais mieux maintenant. Je vois ça. Il est assez fort pour voyager. Pour l'instant. Ça n'arrivera plus. Je te le promets. Nous y veillerons ensemble. Freya, je n'oublierai pas ce que tu as fait. Merci. Ton père a fait le plus dur. Tu devrais rester ici pour te reposer. Tu en as fait assez. Vous savez que ma porte vous est toujours ouverte. C'est Vanaheim, c'est ça? Comment as-tu deviné, Atreus? Eh ben, la fenêtre ressemble au cristal du Bifrost. Et je sais que ce n'est pas ce qui se trouve derrière le mur. Et puis, t'as l'air triste. Tu es bien sage pour quelqu'un de si jeune. Oui, cette fenêtre donne sur un endroit où j'ai vécu il y a longtemps. Mais ce n'est qu'une vue. En arrivant à Alfheim, c'est ce qui s'est passé. Tu peux pas quitter Midgard, n'est-ce pas? Un cadeau de mon ancien époux quand nous nous sommes séparés. Pourquoi Odin t'a emprisonné à Midgard? La cruauté serait un prétexte suffisant pour lui. Mais comme toutes ses décisions hâtives, celle-ci était motivée par la peur. Les Vannes étaient la plus grande menace qui pesait sur les As jusqu'à ce que notre mariage instaure la paix. Beaucoup de Vannes estiment que je les ai trahis. Voilà ce que m'a valu mon sacrifice. Être haï par mon propre peuple. Odin m'a enfermé ici pour s'assurer qu'on ne me pardonne jamais. Je me demandais, pourquoi est-ce que vous vivez sous une tortue? C'était mon tout premier ami à Midgard. Il m'a offert un toit, et en échange, je lui ai offert ma protection contre les esprits maléfiques de la forêt. Un sanglier doré, une tortue géante, vous avez des amis très intéressants.
bien. Avant la grossière interruption de Maudit, on s'apprêtait à explorer le tombeau de Tyr. Oui, pour trouver la rune noire. Atreus, tu sais où il faut aller? Je sais pas. Mais si, voyons. Il nous faut un bateau. Je sais pas. Il nous faut un bateau. Parfait. Ah, vous voyez, le bateau s'est échoué. Quelqu'un a bien appelé le serpent. Monte, je vais tirer. Tu ne dis rien. Tu ne te sens pas mieux? Si, je le crois. Je sais que tu m'as entendu parler, Afria. Tu crois que tu comprends, mais tu te trompes. Pourquoi tu ne dis rien? T'as dit que j'étais maudit. Tu me crois faible parce que je suis pas comme toi. Je sais que tu voulais pas de moi. Mais après tout ça, je pensais que tu verrais les choses autrement. Tu es loin de tout savoir, mon garçon. Peut-être. Mais je connais la vérité maintenant. La vérité. La vérité. Je suis un dieu, Atreus. Je viens d'une contrée lointaine. En arrivant ici, j'ai choisi de vivre comme un humain. Mais en vérité, je suis né Dieu. Et toi aussi, Atreus. Atreus, tu n'as rien à dire. Est-ce que je peux me changer en animal? Est-ce que tu peux te changer en animal? Non. Non, je ne crois pas, non. Je suis un dieu. Maman savait? C'était une déesse aussi? Non. C'était une mortelle, mais elle connaissait ma vraie nature. Je suis un dieu. Pourquoi tu me l'as jamais dit? J'espérais te préserver. La vie d'un dieu est une existence vouée à l'angoisse et à la tragédie. C'est un fardeau. Quelles sont les choses que je peux faire, alors? Je peux voler? Devenir invisible? J'ai pas l'impression d'être un dieu. Je ne connais pas la nature de tes pouvoirs, mais nous les découvrirons avec le temps. T'es sûr que je peux pas me transformer en loup? Si tu veux essayer, je t'en prie. C'est pour ça que j'entends des voix parfois. T'en as jamais entendu, toi? Pas comme toi. Rien d'étonnant. Chaque dieu est unique. Alors, je serais peut-être pas fort comme mon père, mais j'aurais des capacités rien qu'à moi. Tu en as déjà, mon grand. Ton aisance avec les langages est extraordinaire à ton âge. Seul le temps nous dira quelles capacités tu vas encore développer. Alors tu le sais depuis le début? Bien sûr, petit. Des dieux, j'en connais quelques-uns, tu sais.
Moi aussi, apparemment. Je me demande qui d'autre savait que j'étais un dieu. Freya, c'est sûr. Brock et Sindri. Ils n'ont pas à le savoir. Oh. Baldur, il est au courant. C'est pour ça qu'il nous cherche. Tu le connaissais avant. Je l'ai vu pour la première fois le jour des funérailles de ta mère. Je te le jure. Eh, rien ne nous oblige à aller au tombeau de Tyr, pas vrai? Après tout, on est des dieux. On peut faire tout ce qu'on veut, non? Qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire maintenant? Je vais te montrer. On essaie encore une fois, sans être interrompu. Et c'est reparti. Lila. La mort elle-même j'engloutis pour au matin recréer la vie. Oh, celle-ci me plaît. Je me demande si elle n'est pas de moi. Est-ce que c'est la réponse? C'est écrit terre. Engloutis la mort, recrée la vie. Vas-y. Yurf. J'aurais aimé savoir que j'étais un dieu à Alfheim. Je m'en serais pas voulu d'avoir tué tous ces elfes. Eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il faille en tirer. Tu n'as pas de remords à avoir. Les elfes nous ont entraînés dans leur guerre. Non, je comprends maintenant. On avait des affaires de dieux à régler et ils nous ralentissaient avec leurs broutilles. Vraiment? Tu ne vas rien lui dire? En fait, je me sens tellement plus fort maintenant que je sais que je suis un dieu. Ne te laisse pas submerger par la confiance, mon garçon. Ton pouvoir implique un choix. Tu peux soit servir tes propres intérêts, soit mettre ta divinité au service des autres, comme le faisait Tyr. Les gens l'aimaient vraiment, hein? Oui. C'était un dieu de la guerre. Mais il défendait la paix. Il avait la réputation d'être brave et juste. Et il utilisait son pouvoir et son savoir pour mettre fin aux guerres et non les déclencher. Alors certains dieux sont bons. C'est extrêmement rare, mais pas impossible. Celui-ci mentionne des endroits dont j'ai jamais entendu parler. Tyr était vraiment un grand voyageur. Tyr pensait que c'était par l'esprit et non la force qu'on empêchait la guerre et la destruction. Et il savait que rencontrer différentes cultures lui donnerait une ouverture qu'il ne trouverait pas en restant parmi les siens. Alors qu'Odin a toujours gardé jalousement son savoir, Tyr n'hésitait pas à partager ses enseignements et sa sagesse. C'est pourquoi les mortels l'adoraient. En témoignage de cet amour, il lui offrait des cadeaux du monde entier. Qu'est-ce qui est arrivé à Tyr? Odin a fini par le considérer comme une menace pour son autorité. Il soupçonnait Tyr de collaborer avec les géants plutôt que d'aider les As à dérober leurs secrets. Il m'a d'ailleurs accusé de la même chose. Mais dans le cas de Tyr, je pense que c'était vrai. Tu crois que Tyr aidait les géants? Oui. Il se sentait responsable des souffrances qu'Odin leur infligeait. Je le suspecte de les avoir aidés à couvrir leurs traces. La tour de Jotunheim manquante? Exact. Je ne sais ce qu'elle est devenue, mais ça ne peut être que l'œuvre de Tyr et des géants. Où est cette rue de bois, tête? Je ne sais pas, je ne suis jamais venu ici. La pierre! Ça doit être ça! Tu ne pensais pas que ce serait aussi simple? Non. J'avais un espoir quand même. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
frères, là-haut, les vents de Hell. Les vents de quoi? Oh. Quand tu étais malade, nous sommes allés à Helheim pour trouver un remède. C'est vrai? Une expérience traumatisante, d'ailleurs. Mais ton père a appris un nouveau tour, avec une coupette de bras. Je crois que t'es là aussi. Ah, un skindu de ma contrée natale. J'en avais un aussi à l'époque. Tu devrais le garder, mon garçon. Il a raison, prends-le. On aura peut-être besoin d'étaler du beurre pendant le voyage. Voilà pourquoi personne ne t'aime. Très engageant. Regarde, il y a des passages étroits de chaque côté. Parfait pour les garçons. Mais père, on ne pourra pas passer. Vas-y, je vais me débrouiller.
trouvé quoi? Assez joué. N'oublie pas pourquoi nous sommes ici. D'accord. Ça vient d'une vaste contrée désertique très lointaine. Est-ce qu'il y a des dieux là-bas? Et comment? Ils sont très, très nombreux. Bon ou mauvais? J'ai bien peur que ça ne soit pas aussi simple. Dans le tombeau, c'était quoi? Ce n'est pas important. Ça avait l'air important pourtant. Je me suis laissé emporter. Ne m'en tiens pas à rigueur. Waouh! C'était presque une excuse. Il faut croire que t'aimes briser les vases. Ha! Logiquement, le deuxième cercle devrait se comporter comme le premier. Il faut juste capturer les vents. Je veux tout savoir. C'est pas parce que tu détestes être un dieu que ça doit être pareil pour moi.
D'autres passages étroits. J'ai compris. J'y vais. Je ne peux pas rentrer. Bonne chance. Moi qui pensais que les lames étaient terrifiantes. Regarde! Ce sont les loups géants, Skoll et Ati. Exact. Ce qui apporte le jour et la nuit. Le Ragnarok aura lieu quand ils attraperont le soleil et la lune, c'est ça? Est-ce que Tyr les connaissait? Je ne sais pas, mais il les aimait suffisamment pour leur accorder un mur entier dans son tombeau. Tu trouves pas ça chouette, d'être un dieu, et de partir à l'aventure dans des endroits incroyables? Peut-être que maman voulait qu'on s'amuse. Quand je pense à tout ce qu'on a fait, et lui, c'était peut-être son cadeau à elle. Je vois pas d'autres pièges pour les... Les vents de Hel. Et si on grimpait sur un de ces promontoires pour se faire une meilleure idée? Quelqu'un de si apprécié, Tyr était vraiment paranoïaque. Oui, c'était à cause d'Odin, et c'était justifié. Il
La pierre runique, elle descend. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Un piège. Père ! Atreus, ne reste pas ici. Je vais bien. Comment on va te sortir de là ? Tire sur les chaînes, le long du mur. Mais... il y en a trois ! Qu'est-ce que je dois faire ? Atreus, concentre-toi. Tu peux le faire. Fais vite, petit. Je ne sais pas si je peux me noyer. Réfléchis. Atteler le loup argentier, il chasse la lune. Scoller le Midori qui chasse le soleil. Pour provoquer le Ragnarok, ils doivent les dévorer. Mais les symboles sont pas dans l'ordre. C'est bien. Donc la lune va à gauche et le soleil à droite. Et Midgard est au milieu. Mais quel levier je dois tirer ? Au milieu. À gauche. Au milieu. Je dois faire ça dans l'ordre. La lune à gauche, le soleil à droite et Midgard au milieu. À gauche. Celui de droite. La lune à gauche, le soleil à droite, Midgard au milieu. À droite. Celui du milieu, vite. À gauche, Atreus. La lune garde le soleil. La lune garde le soleil. Réfléchis. Celui du milieu, vite. Celui du milieu. Celui du milieu, vite. À gauche. Mais il t'a sauvé. C'était bien pensé, mon garçon.
Bien. Allons voir ce que Tyr a pour nous. Oh non! La rune de protection de Freya, elle s'efface. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer. Ça y est, on la tient! Atreus. Tiens. Le jour où tu es né, j'ai forgé deux couteaux, en mêlant le métal de mon royaume à celui de cette terre. L'un était pour moi, et l'autre pour toi, quand tu serais prêt. Ce jour est arrivé. Alors je suis un homme, comme toi. Non. Nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes plus que ça. Et nos responsabilités sont gigantesques. Et il faut que tu sois meilleur que moi. Tu comprends? Dis-le. Je serai meilleur. La puissance de cette arme, de toutes les armes, vient d'ici. Mais seulement si elle est maîtrisée par ça. Par la discipline, la domination de celui qui la manie. C'est là que réside la véritable force d'un guerrier. Tu ne dois jamais oublier ça. C'est bien. Viens. Dave. La rune! Tu l'as vu? Oui! Tu en es sûr? Je l'ai! Fais-moi confiance! Parfait. Vise la tête. Ugh!
Mais pas de taille contre des dieux. J'en ai vaincu des plus gros. Piètre troll. Je suis dans le mauvais sens. De quel côté à la vasque pour monter ? On est si près du but. Assieds-toi. Du vin lemnien, de l'île de Lemnos, près de l'endroit où je suis né. Lemnos. À la fin d'un voyage. Vraiment ? Ça sent l'œuf pourri. Il est encore bon ? Probablement. Père, pourquoi quitter ta terre natale pour venir ici ? Est-ce que ça a un rapport avec les dieux de là-bas ? C'est juste que tu détestes tellement les dieux. Mais tirer la preuve qu'ils peuvent être bons. Comme toi. Tu ne tues que ceux qu'ils méritent, n'est-ce pas ? Oui. Ah, mec.